Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne Alvaro Style Gaming. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur un jeu indépendant nommé From Space. Ambiance plutôt effrayante, n'est-ce pas? Le jeu est totalement en français. Ce jeu est un jeu de tir en mode solo ou alors en coop. Le but du jeu est libérer la Terre des ravisseurs extraterrestres. Le jeu est également disponible en ligne. C'est un jeu qui sera disponible également sur Steam. C'est développé par Triangle Studio et édité par Curve Games. C'est parti pour le test de From Space. Alors, l'interface, vous pouvez choisir 3 sauvegardes. C'est plutôt pas mal. Donc, on va créer la nôtre. Kit de soins. Les kits de soins et les bandages. D'accord, ok. Mais je pense que. D'accord. Déjà, l'ambiance est déjà présente. Le jeu sortira d'ailleurs demain, le 3 novembre. Ça se passe en 1986. Eh ben, c'est plutôt pas mal pour commencer. C'est bon, cinématique. Et ça donne envie d'y jouer. Alors, on va voir. Juste pour baisser un petit peu le son. Alors, on a un personnage électricien, d'accord. Électricien. D'accord, donc ça a l'air d'avoir... Interface plutôt mode carte. Ah oui, d'accord. Alors, nous sommes dans un espèce de bâtiment. Un monsieur, bonjour. Oula. Vous voilà. Alors, je regardais plutôt par là. Spécialiste. Laissez-moi vous résumer la situation. C'est dramatique. Mais je vois rien en fait. Alors, vos satellites. Oh, ok. Ils semblent parvenir. Ok. Bon, je vais éviter de lire parce que je vois rien en fait de loin. J'ai oublié de mes lunettes. Je vous laisse lire. Ok. On va regarder déjà l'environnement, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est pour ça que j'ai noté dans la vidéo précédente. Je fais une notation sur les jeux. Et il y a deux notations, donc le gameplay et le visuel. Là, vous pouvez regarder la notation que j'ai mis en description de la vidéo précédente. Donc là, je pense que je vais vous faire à la fin de la vidéo, si j'y pense. Sinon, ça sera dans la description. Déjà, niveau visuel, c'est plutôt pas mal. C'est... Ça bug pas. Alors, on est à 75 FPS. Alors, vous le voyez pas parce que c'est redimensionné via OBS. Mais en tout cas, le jeu est très très fluide. Et on est... à 75 FPS fixe. C'est-à-dire il n'y a pas de chute pour l'instant. On va sortir d'ici si on peut. Ah non, j'ai une sorte de flèche. Ah oui, d'accord. Ah. C'est oh, pas mal. D'accord, donc là j'ai rien du tout. Donc là apparemment nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en pleine guerre. Alors est-ce que je peux avec la souris? Ah ok, d'accord. D'ailleurs c'est avec la souris où je peux tirer. Mais je peux jouer aussi avec la manette, c'est parfait. Donc compatible manette et d'ailleurs souris clavier, c'est pour ceux qui jouent avec le clavier et la souris. Et... Ah, là j'ai eu une petite chute de FPS là. Tombé à 44 ici là. Ok, bon. Petite
crapaud. Non, pas mal l'environnement. Très joli. Très très joli. Ah, un nouveau monsieur. Bonjour. Petit bisou. Ah, non, j'étais prêt pour charger, mais... Donc on doit être dans les tranchées, j'imagine. On doit être dans les tranchées, et je pense... D'accord, ok, je pense qu'il faut peut-être le suivre, lui. Oulala. Bonjour. Ah, tu vas me montrer l'entraînement, toi, non? Ça se trouve, il faut même pas que je te suive. Ah, si. Alors. Ok. Et je... Ah, d'accord. Alors, il me dit de viser. Ouais. C'est cool, hein. Ah, voilà, d'accord. C'est Excelta, d'accord. R visé. Par contre, je le fais et j'ai rien du tout. J'ai la bonne manette. J'ai... Attends, parce que tout à l'heure j'ai réussi à le... Alors, je vais essayer que la souris, peut-être qu'il prend pas que le... Avec le clavier, on va essayer que la souris. Non, il veut pas. Bizarre ça. Tout à l'heure j'ai... Non, tout à l'heure je l'ai fait, tout à l'heure. Ah oui, d'accord, faut aller là. Alors, déjà dans l'inventaire, ok. Ah bah voilà. Ok. Je pense que j'avais pas les munitions. Là, je reprends les munitions. Ok, Alvaro, c'est pas tiré. Voilà, c'est bon. On est bon signe. Ah, par contre, les écritures, c'est un petit peu dommage que c'est un petit peu trop petit pour les aveugles comme moi. Donc du coup, je vous laisse lire. Alors on continue. Bon, on va laisser passer le sergent quand même. Alors là, déjà, on va aller là. Grenade. Oui, j'appuie sur... Ok, je peux pas les avoir, bon. Là, faut faire quoi, là, du coup? Faites exploser les cibles. D'accord. Ah. Ok. Ah, je vois qu'on a la map... juste à droite de l'écran, je viens juste de le voir. On a la barre de vie en haut. On a l'inventaire en bas à gauche. Ok. Bon. Alors comment je fais pour... Martin, maintenir B. Ok. Alors je crois que j'ai... Comme tout à l'heure, je crois que j'ai pas... Il veut pas me donner mes grenades. Alors je vais essayer avec la souris. Non, ça va pas me les donner. Ah ok, d'accord. Ok. Je vais reprendre là. Ok. Ok. Alors, c'est compliqué à prendre en main. Enfin non, c'est pas compliqué, mais voilà, faut juste... D'accord, faut aller sur... Mais des fois, ça le prend pas, hein, en impression, ça le prend pas tout de suite, quoi. Bon là c'est des... on aurait dû l'enlever ce truc là. Oui chef. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire encore là? Là c'est quand on va ici, on a pas l'impression que c'est été exécuté en fait, c'est ça. Donc là faut que je fasse quoi là? Placer le fil. On voit trop rien en fait. Alors là. Barbelé. Ah ok. Ah bah je dois le placer là quoi. Maintenir pour viser. Ah si je l'ai mis le barbelé le bordel là. Bref, il est bien. À présent placer le barbelé entre ses sacs. Entre ses sacs. Ah d'accord, ok. Et là, du coup, tirer là. Non, ah non, faut aller là-bas. Espace insuffisant. Ah non, c'est on doit mettre des barbelés. D'accord, on possède des barbelés, d'accord. Ok.
Ah non, mais l'inventaire, elle est là. Non. C'est vrai que c'est un peu complexe quand même. Hein. Mais je vois pas ce qu'il faut faire là. Ah bah voilà, impeccable. Alors le vrai... Ok, c'est bon, on se part. Continue. Alors l'environnement il n'est pas trop mal. Hein. Ok, il est pas trop mal. Juste c'est vrai que l'écriture, un petit peu trop petit à mon goût. Après je pense que ça reste mon goût. Ok, donc là on va où là? Ah ok. Là. Zone de sécurisée. Là tu vois là c'est bien là. Mais en bas laisse tomber hein. Alvaro il voit un que dalle. Je vais continuer. Ah ok, faut rester appuyé putain. Alors sauvegarde la partie. Hop. Reçu 5 sur 5. Oh putain, on a un 103 et tout, oh là là. Magnifique, c'est magnifique. Ah bah ça y est, enfin on se casse. Ouais, victoire. Voilà, bon. Au début c'est un peu complexe. Hein. À chercher. Bah oui, bah il faut y aller là. On y va ou on y va pas là? Ah, enfin. Chrome Space. Jeu disponible sur Steam. Chargement sympa avec des petites photos. Je pense qu'il fait rappeler la mission peut-être. Donc apparemment il y a des extraterrestres qui sont débarqués sur la Terre et c'est à nous de les exterminer. Parce que c'est eux qui vont. Non, c'est eux qui vont nous exterminer hein. Donc, je vous mettrai bien évidemment tout dans la description. Donc là, nous sommes en pleine guerre dans le côté réel. Donc là, on a rechargé nos petites barres vertes en haut à gauche. Nous avons une petite lampe, un bon petit casque, et c'est parti. Voilà, ce n'est plus un entraînement. Par contre, je pensais qu'on était en équipe, mais en fait, on est donc on est tout seul. Mais quand vous êtes en mode cop, je pense que vous pouvez jouer du coup à 3 maximum. D'ailleurs, je vous fais gagner le jeu dans la description. Vous pouvez rejoindre du coup le Twitter où je ferai un tweet au moment de la sortie de la vidéo pour gagner le jeu gratuitement. Donc là il nous dit bon alors il faut y aller, hein, on n'a pas le temps, hein, tu charges tes armes et en ballant et en avant gagant quoi, comme disait l'ancienne. Allez c'est parti chef, on y va. De toute façon vous n'êtes pas perdu puisque de toute façon vous avez un joli trait jaune, une flèche qui vous dit où quoi faire et allez donc au bien. Hein. Là on récupère des items, un petit ordinateur, oh c'est sympa. Est-ce qu'on peut éteindre la lampe? Non. Ok, je dois être à fond au niveau de la vie, donc oui de toute façon je suis à fond. Regardez comment c'est magnifique quand même, c'est propre hein, c'est magnifique. Alors si je dis pas de bêtises, le jeu c'est disponible sur Steam, mais il me semble d'ailleurs même comme la vidéo précédente, hein, Golazo 2, il sera aussi disponible sur Switch. Et ce jeu-là, je pense qu'il sera aussi disponible sur Switch, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous présente le méchant du jeu. Enfin, plusieurs méchants de... Arpenteur. Beaucoup trop collant. Alors là, les gars, on est foutus. Déjà, je ne sais plus comment on fait pour tirer. Ah, voilà, ça. Grenade ! Oh, punaise. Ça y est, là, l'action commence, les gars. Par contre, comment... Voilà. Voilà pour vendre du muguet, nous. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça c'est cool. Il y a des trucs ici, là. Alors, les traits jaunes en dessous de ma barre verte, je sais pas. Ça doit être sûrement la vitesse. Punaise, oh punaise, oh punaise, oh punaise. Grenade non, c'est pour ma gueule, pardon. Grenade. Ah merde, je me suis trompé, j'ai plus de grenade, les gars. Ah merde, comment on fait pour tirer? Oh, le toilette, merde. Aïe, aïe.
Oh les gars, au secours! Eh, vous pouvez pas m'aider, vous là? Oui, ils sont en mode statue, ils ont été paralysés ou quoi? Surtout m'aidez pas, les gars. Surtout m'aidez pas. C'est bon, j'ai rechargé. Je suis à fond. Inviter des amis. Ah d'accord, on peut même inviter dans la même partie. Bon, moi j'ai pas d'amis. Et je suis bloqué, j'ai fiché ou quoi? Ah merde, ça là. Donc en fait, cette petite borne là, c'est vous pouvez directement. Invitez, vous l'avez pas vu, mais c'est ici, ça vous ouvre une espèce de menu, et normalement vous avez vos amis qui sont dedans, et là vous pouvez du coup les rejoindre. Donc c'est cool parce que c'est en direct dans le jeu. Souvent quand vous invitez des amis, c'est souvent des menus en gros comme sur FIFA, c'est un menu externe, Fortnite c'est un menu externe, etc. Et là c'est dans le jeu quoi, ça c'est cool. Alors je pense qu'après quand ils rejoignent, ils vous rejoignent dans la partie. Ok, donc accélérer ici. Donc là c'est quoi ça? D'accord. C'est vraiment génial hein. Je trouve que le jeu il est vachement plutôt propre. Alors là, obligé mon camp, d'accord. Donc il y aura une porte à déverrouiller ici. Ok, on peut frapper, d'accord, on va essayer. Ah par contre il y a un petit temps de. Ouais. On dirait que c'est comme un petit tour par tour, mais non. C'est pas vraiment du tour par tour. C'est juste qu'il doit mettre un petit temps, je pense. Parce que peut-être aussi il a l'arme dans les mains, donc peut-être il range l'arme, il frappe. On va réessayer. Il y a un petit téléphone là. Je peux appeler maman. Maman. Ah bah là c'est toujours. toujours les amis là. Donc partout dans la map, hein, vous pouvez faire appel à vos potes. Ok, on va réessayer. Voilà, hop. Voilà, hop. Il faut juste avoir l'habitude. Hop, hop. Un petit kill. Ah, louché. Ah, louché. Louché. Ah, c'est bon. Aïe. Non, mais. Oh, tu peux rentrer à la niche, toi, je te le dis, moi. Retourne là où tu viens, là. Ils sont bizarres, par contre, les extraterrestres. Hein. C'est vrai qu'ils font peur, quoi. Ah, là, il y a quelque chose. Moi, je suis un preneur de tout. Moi, je prends tout ce qui se passe. Il se passe, non, tout ce qu'il y a dans la map. C'est vraiment le tour. J'imagine, je sais pas s'il y a des boss. Oh, ça serait tellement bien s'il y aurait des boss un peu chelous comme ça, là. Oh punaise, il se regroupe chef. Oh punaise, chef. On tire partout. Aïe. Et là, ça serait bien qu'il y aurait une grenade par exemple, tu vois. On fait l'en. Voilà. Oh bien vu. Par contre, t'as disposé à quelle heure là? Voilà. 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 Oh, pour récupérer ça. Ça doit être sûrement de la vie. Non, c'est pas de la vie. Recharge. C'est bien vu, ça, t'es bien vu. D'ailleurs, j'ai pas vu pour la vie d'ailleurs, comment on fait pour la récupérer. Quoi ça? Ah, bandage. Bah, du coup, bandage là. Ah, j'ai pas de bandage là. Parfait! D'accord, ok, vous avez un petit niveau là. Dans l'écran, dans l'inventaire. À gauche. Et du coup, je sais pas combien j'en possède. Non, apparemment, j'en avais qu'un. Ah, bah, non, deux, du coup. Non, c'est bon, un. Et en fait, ça recharge directement tout le truc. Toute la barre. Là, je suis à 75 FPS. Allez, là-bas, il rentre dedans. Hein. Non, mais où? Ok. D'accord. Ah, on peut changer. Ah, d'accord. Je pensais que c'était automatique. Alors là, pourquoi j'ai pas accès? Ah, il y a une barre, ok. Je pense que je peux la détruire. Ah, bah oui, c'est marqué. Voilà. Chercher le truc. Par contre, je pensais vraiment qu'on était en équipe, mais en fait, bon, bah, on est tout seul. Et bah, ceux qui sont dans la map, ils sont là en mode décoration, quoi. Alors, regardez, il y en a un qui est là, mais. Il est au-dessus, on sait même pas ce qu'il fait. Ah, faut rester appuyé. Zone confirmée. Ah, c'est pour la sauvegarde. Ah, d'accord. Je pense qu'on peut aussi peut-être changer et améliorer les armes. Je pense que ça doit être un peu comme ça. Donc là, on est au niveau bah, 1, je pense. Et il y a plusieurs améliorations à faire pour les armes, pour les avantages spécifiques, je pense, et objectifs. On peut changer peut-être les personnages, j'imagine, ouais, voilà. Vous avez plusieurs personnages qu'on peut peut-être prendre. Ah non, bon, on peut pas encore prendre. Non plus. Non, je sélectionne, mais... Ah si, d'accord. Faut rester appuyé. Donc là, j'ai changé mon perso. J'ai pas l'habitude de rester appuyé, moi.
Alors là, j'ai pas accès. Bah attendez, je vais changer de personnage. À moins qu'on a plusieurs. Ah, voilà. On peut changer. J'ai envie de prendre celui-là. Oh yes! Oh oui! Oh, c'est magnifique. Magnifique. Ah, il faut monter là-haut. D'accord, attends, hop. Ah, voilà. Regardez, mais lui, il sert à quoi? Il sert à rien, lui. Hein. Salutations, petit humain! Salut, salut, ça va? La famille va bien? Ça va? Pas trop la guerre en ce moment, tranquille? Tu fais rien, toi? Hein, partir armé jusqu'aux dents, parce que. Imagine les petits fantômes roses, là. Ils viennent t'attaquer, mon gars, c'est la fin du monde, hein. Ok, donc faut que je sorte. Quand même faire le tour, parce que moi je. Et. Ok, c'est fermé, y'a plus rien. On va aller l'autre côté. Merci, chef, merci, hein. Mouah. Bisous, hein. Faut la fête gauche. Ah, d'accord, y'a des missions secondaires, je pense, et des missions. On va les checker là-bas. En espérant qu'on fasse pas tout un. Y'a une porte ici. Ah, y'a quelqu'un là. On va faire le tour. Non. Ah non, je m'éloigne là. Attends, on va juste profiter pour aller là. Ah, elle m'a dit quoi? Ok. Ah si, il y avait quelque chose là. Hein. Faut passer par là. Hein. Ouais, là. Là. Voilà. Et là. Salut toi, ça va? Ouais toi, tranquille la famille. Hein. T'as vu, on est là, on fait une petite vidéo YouTube, impeccable. Ils ont un petit jeu, sympa. Boom Space, tu connais? Ah bah oui, c'est les ravisseurs, je suis bête. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Bon, c'est bon, tu m'as donné la mission, impeccable. Tac. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez, du coup, bah, plusieurs objectifs à faire, quoi. Plus la montée en niveau. Il se prend assez bien, le jeu, en fait, hein. Même finalement en main. C'est, ouais... 10 minutes, 20 minutes, hein, grand max. Hein. Alors là, on est où, là? Whoopiness. Whoopiness. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, ça recommence. Grenade! Wesh, aïe! Aïe! Comment on fait déjà? Ah, voilà ça. Charge les gars, charge! Oh punaise! Ah bah bien vu! Eh bien vu le barreau! Alors on les nique tous là! Oh la barrière, je l'ai mis comme ça, direct, bam! Charge vite là! Oh c'est bon, tout seul. Hé hé! Hop, je peux le récupérer ça? Non, pas plus. Détruisez le nid. Et bien sûr, on l'a détruit le nid, hein. On l'a tout. Ok, on va aller là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, menace active, oui, oui, oui. Menace active, oui. D'accord. Ah, un truc là, mais je sais pas trop. Ah, il faut détruire le nid, mais il faut mettre une grenade. Je pense. Attendez, hop. On va aller chercher. Ah bah c'est bon. Ah non, non, c'est pas bon. Ah, il faut tirer, juste tirer. Là. Aïe, mais. Oh, t'es pénible, toi. Hein. Voilà, donne-moi ça. Aïe, je me suis loupé. C'est bon, voilà. Ah, d'accord, on les tue, ils reviennent. C'est nouveau, ça. Oh, il y a feu d'artifice. Oh, oui, il y a le feu d'artifice. C'est bon, là. Oh, yes. Oh, magnifique. J'ai gagné. Gagner des munitions, je crois. Impeccable. Mission incomplète. Non, mission accomplie. Accomplie. C'est pas mal. Hein. Et oui, donc le jeu sort demain, le 3 novembre 2022 sur Steam. Alors, je peux aller là-dedans, là. Non, mais non, faut que je rentre là pour lui dire que je pense que la mission elle a été effectuée avec succès. Bon, je me suis pris des coups dans la gueule quand même, hein. Hyper. Ah, faut que j'aille voir un gars là. Ok. Ah voilà, tâche terminée. Merci, merci, merci.
Alors c'est des gens comme vous que voilà, qu'on réussit dans la vie. Hein. Ok. Maintenant on se barre là-bas. On continue, on progresse. On monte plus haut. Oh punaise, oh, il me fait peur ce con lui. Mais, oh mais donne-moi ça là. Ah je suis monté au niveau. Ouh. Monté au niveau, attention. Allez vas-y, vas-y, vas-y. On appelle pas Alvaro Style pour rien nous. Voilà, bim. Oh punaise, comme il est passé. Non mais... Ah d'accord, on s'améliore vraiment, d'accord, oui. Quand on monte au niveau des armes, etc. Comme j'avais dit tout à l'heure. Dans les menus là, allez voilà. Voilà. C'est magnifique. Regardez comment c'est marqué. Phraseland. Ne mangez pas de glace. C'est pas bon pour votre santé. Ça, ces petits monstres là, ça me fait penser pour les trucs des dentistes là. Vous savez, des pubs là. Des monstres, sauf que ils sont pas roses, ils sont blancs. Ok. Bon, ça, j'arrive pas à le reprendre. Par contre, c'est pas grave. Alors, on a déjà un objectif atteint. Là, aider le vieux, je sais pas quoi là. Ouais, trop rien avec l'écriture. Hein. C'est propre. Hein. C'est trop propre. Thank you, les développeurs. Thank you, nice jeu. Good, magnifico. Mouah, linta, linto. Il est propre, le jeu. Franchement, c'est vrai qu'il est propre. Ok, j'ai besoin. En plus, il est en français. Hein. C'est ça le. Donc, merci, les développeurs, parce que vous êtes français. Non, je rigole. Merci. Voilà, j'aime bien avoir des jeux français, parce qu'en fait, les jeux français, bah, je peux les expliquer. Que les jeux anglais, ce serait compliqué. Enfin, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est pour ça, quand c'est en français, directement, c'est cool. Et surtout quand les développeurs pensent aux français. Et des fois, il y a des jeux, malheureusement, ce n'est pas traduit en français. Et c'est dommage. Grenade ! Ah d'accord, donc je suis, oui, vulnérable au feu, bien évidemment. T'es en train de cramer, là. Possible d'avoir un jet d'eau. On est. Oh, bien vu. Oh là là, magnifique, lancé. Talvaro. Oh, puis l'ambiance, il est là, l'ambiance, hein. Ça, c'est cool quand il y a les ennemis et tout. J'aime bien quand il y a de la musique, moi. Ah, mais il y a des ennemis. Et oh là. Salut. Ça va? Bon, à mon avis, je pense qu'il faut descendre. Oui, une clé là. Merci. C'est pour ça qu'il faut fouiller toute la map. Moi, je veux l'aider, moi. Et là, t'imagines, t'es en pleine mission, tu galères, t'appelles tes potes. T'appelles tes potes, ils viennent. Ouais, Christophe, t'as un problème? Oh, ouais, j'ai un problème là. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ouais, t'inquiète, bouge pas. J'allume mon PC, j'allume tout, j'arrive. Attends, je prends un petit biscuit quand même et un petit. Un petit verre de lait. Regardez, hop. Et là, je vais rechanger de personnage. Mais il est bien, s'il est trop stylé celui-là. Alors, apparemment, on peut changer les armes. Parce que ça, c'est mon arme principale. Bon, pour l'instant, non, je ne peux rien. Ah, si, si je reste appuyé encore. Encore. Pas ce que j'ai fait, mais. On va changer de personnage. On va prendre celui-là. Eh, mais oui, chaque personnage a une arme spécifique. En sachant que moi, j'ai amélioré mon personnage, là. Alors, on va voir celui-là. Il était. Alors, c'était lequel qui est monté au niveau? Non, c'était celui-là, je crois. Ouais, niveau 2. Regardez. On le voit ici. Là, niveau 2. Celui-là, il est toujours niveau 2. Ah bah, en fait, non, ils sont tous au niveau 2. Ok, d'accord. Mais on va prendre celui-là. On va le tester, celui-là. Allez, c'est parti. On continue. On progresse. Donc ça, c'est bien aussi de prendre plusieurs personnages. Je trouve que c'est stylé. Enfin, la possibilité d'avoir plusieurs personnages. Ok, donc on est bien en armes, apparemment, on va recharger quand même. Et moi j'hallucine, hein. Aujourd'hui les graphiques c'est un truc de ouf. Hein. Mais moi je cours pas, enfin moi je m'en fous des graphismes en fait. Moi c'est l'histoire qui m'importe. Ouais, ok. Trouver les bouteilles de ok. On va trouver les bouteilles là. Recto. Trouver déjà, moi j'ai pas le temps, moi je suis un détective, moi j'ai pas le temps. Ok. Donc là j'ai l'impression qu'on revient un petit peu sur nos pas. Hein. Ah ils arrivent là. Alors faut les tuer je pense tout de suite, parce que sinon ils risquent de se dupliquer, et ça peut venir très
très très vite. Regardez la musique d'ambiance là, elle est juste magnifique. Ok, alors je sais pas trop ce que je fais encore avec ces boîtes là, mais... Alors, je me loupe à chaque fois, voilà. Ok. Ça, je pense que pour sortir la boîte ou recharger les armes. Alors, je sais pas, c'est aussi les ennemis reviennent à chaque fois quand on revient sur la zone. Ça se trouve, ils se spawnent automatique. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut un bisou? Ah non, c'est bon. Récupérer ouais, les bouteilles. Ok, super. Ah, pourquoi il me pointe, lui? Non? Ok, bon, il veut plus me parler. Ça y est, il est même plus. Ok, mais normalement, il faut que je descende, là. Ah, bah c'était là pour descendre, en fait. Ok, il veut que je vais sur la zone, ouais. Marrant, ça. Mais la porte, elle veut pas s'ouvrir. Ah, peut-être continuer par là. Regardez, on peut appeler les amis. Oh oui! En plus, il y a deux bornes, hein, comme si que... Ils vont venir à combien, là, les... Ah non, il n'y en a qu'un, c'est bon. L'autre, c'est juste un déco. Ah, une déco plutôt. Et je pense qu'il faut descendre. Hein. Mais ça veut pas descendre. Passe pas où, chef? Perdu, chef. C'est bien, c'est un peu de difficulté ça. C'est cool. Franchement, c'est bien. Un peu de recherche aussi. Donc là, on revient par ici. Bah merde. Ah oui, j'ai dit merde, j'arrive pas à rentrer dans la porte moi. Et peut-être faut passer par là. Ah, mais ça, on est déjà passé par là tout à l'heure. Ah, mais on n'était pas descendu par là. Ok, si si on est, je crois, bon, on est pas juste passé par là mais... Ok, ça va pas s'ouvrir. Alors j'avais récupéré, parce que lui il me dit d'aller là-bas, d'accord, oui mais c'est en plus... En plus j'avais pas vu le petit trait jaune. Donc on va suivre le trait jaune quand on est perdu hein. Ça pour ça? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il m'aurait dit d'aller retourner là. Ah ok, faut peut-être rester là, voilà. Ah mais c'est encore moi qui est... voilà. Et là je lui fais bisous. Salut, ça va? La famille et tout? Ouais, on s'est vu il y a deux secondes mais t'inquiète. Bref, je t'en veux pas hein. On sait quoi la mission précédente là? Mais parce qu'on est chaud là, on est chaud patate. Mission terminée, oh c'est magnifique. Ok, cool. Voilà, on a gagné des bananes, on a gagné des pommes, impeccable. C'est bon, on peut aller par là ou pas? Toujours pas? Oui, je vais... Attends. Attends, je vais recharger mon truc là. Alors qu'est-ce qu'il... Vendre? Ok, on attend quoi? Ah non, il me suit, d'accord. Il me suit, mais tu veux faire quoi? On a gagné un ami! Salut toi! Attends, bouge pas. Je t'emmène quelque part, tu sais pas. Tu vas pas savoir c'est où. Après, il veut que... Ah, peut-être qu'il faut que je le ramène à la base, peut-être. Non. Ça me paraît bizarre. Je vais essayer de le faire monter. Là, peut-être, général. Ah, bien joué. Oui, c'est là. On est en train de monter un quartier général ou quoi? D'accord, ok. Ok. Donc lui, il se barre, je sais pas où. Ah, il va ouvrir la porte. Ah c'est stylé hein. Ah moi je kiffe trop hein. Je kiffe trop le jeu. Je kiffe trop le jeu. Ah il me donne une mission supplémentaire. Rester à proximité, ok. Et détruisez l'objet alien. Ah il faut rester appuyé à chaque fois. Attends, bouge pas, donne-moi ça. Ok, centrez-vous sur la mission spécialiste. Ok. Attends, c'est quoi? C'est à dire que c'est mes trucs à moi ça? Je peux en choisir un? Ah bah non, là la porte s'est ouverte là, c'est parfait. Voilà. Magnifico. Oula, on a un scintilleur maintenant. Ah non, un sautilleur. Ouais, santé, c'est pas... C'est la même chose. Ah bah c'est bien parce qu'au moins ça change les petits monstres. C'est-à-dire à fur et à mesure qu'on va évoluer dans le jeu, il y a d'autres monstres. Ça c'est cool. Magnifique. Ouais, merde, je le regarde comme ça, normal. Voilà, ça dégage. Aïe! Non mais tu m'as fait mal hein.
Ouais, je fais du RP en même temps, parce que moi je suis un dingue, Aïe! Bon, grenade dans la gueule! Alors là, ça m'étonnerait plus qu'ils ont des boucliers là. Et viens là! Voilà, tu passes à la casserole, mon gars! Sympa ton petit bouclier, je voudrais bien le voir le même. J'ai pas trop demandé, hein. Oh punaise. Grenade! Ouais, je viens du soldat Ryan, moi, c'est normal. Enfin, descendant. Ok. Alors, recharge. Oui, on recharge parce qu'on n'a pas le temps. Alors là, c'est parfait. C'est magnifique. Alors, je sais pas si on sera toujours dans le noir, parce que là, c'est vrai qu'on a une lampe et on a un environnement assez sombre. Mais je sais pas si on aura d'autres environnements, vous savez, genre, je sais pas, le jour ou d'autres... D'autres environnements, quoi. Ouais, c'est ça, qu'en fait, quand on spanne trop, ça fait pas le coup, mais voilà. C'est ça, en fait. C'est un coup sur un coup. C'est dommage. C'est pas du spam, en fait. On peut pas spammer pour avoir 50 000 coups, quoi. Donc, je sais pas, justement, quand où on va revenir sur la partie... Ok, on revient là, mais on revient où il y avait les deux gars, donc c'est parfait. Donc là, normalement, lui, il va venir avec moi, voilà, bah ouais. Au moins, on aurait fait deux niveaux. Du joueur. Pas de la partie. Parce qu'à mon avis, je sais pas si la partie... Enfin, je sais pas... ça dure... Bah voilà, mais tu fais tout, puis moi je fais rien, bah bien sûr. Mais oui, bien sûr, en faisant comme ça. Ah ouais, donc du coup je vais essayer de le protéger quand même ce gars là. Et à mon avis sa barre de vie c'est la barre verte. On va essayer de le protéger. Allez vas-y on y va petit, on y va. Comme à l'entraînement mon gars, comme à l'entraînement. Je t'en laisse un. Vas-y tue. Voilà bien vu. Alors on y va, on progresse. Attention il y a un nid. Voilà. Allez vas-y. Derrière nous petit. Bien vu. Là, à midi. Non j'ai pas dit à 15h, j'ai dit à midi. Oh putain. Hey, ils ont changé la musique là. Pas la même. Stylé. Voilà, on y va doucement. Je te laisse, vas-y, je recharge. Bien vu. Alors, vas-y, on monte par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a activé une porte. Merde, vas-y. Je le laisse dans la merde, en fait. Et ça, on était... du coup, c'était la porte qui était juste à côté, là. On était justement... on était passé par là, on a fait tout le tour par là. Là, du coup, on a déverrouillé cette porte, donc du coup, on va pas... Ah bah si, faut passer par là du coup, parce que la flèche elle nous dit d'aller par là. Non, il nous dit de remonter. Faut continuer, faut progresser encore. Ah bah putain, il y a deux missions. Bon, c'est pas grave, on va aller checker par là quand même. J'ai peur. Ok, on va checker ça. Alors j'ai pris quoi? Ok. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah bien vu! Oh putain, mais heureusement qu'il est là lui hein. Bon, faut que je fasse quoi avec ça là? Tu mets une grenade dans la gueule? Ok. Ouh, Binaise, barre-toi. Ça a pété. Comment je le sentais en plus? Oula, menace active. Oh putain. Grenade mon gars, grenade! Wesh! Hey, Pikachu, viens ici! Mais viens te protéger, mon sang de bon toi. Ça a pété quoi? Merde, mais c'est moi qui est coincé en fait! Ou je suis protégé? Quelle est la question? Oh putain, ça a pété ça! Aïe! L'autre il me. Il est où mon ami là? Allo! Je vais mourir moi! Et merde! On a été échec à mission de 1989. Allez, on va retenter une petite. Petite fois. C'est du Crystal X, mais d'accord.
Attendez. Ah, faut tout recommencer là? Non. Merde, je pense qu'il faut faire des checks. Allez, allez. Allez, on repart. C'est pas grave. Allez, là. On essaie de faire mieux. On peut toujours faire mieux. Bien vu. Mais qu'est-ce que t'es fort? Mais qu'est-ce que t'es balèze? Putain, heureusement que je suis. Heureusement que t'es avec moi. Ah mais lui il est souris clavier aussi, c'est pour ça. Moi je suis manette, t'as vu le temps que je guille, le genre que tout ça. Non mais tiens tout ça. Oh là, vas-y. Bien vu. Allez. On refait comme tout à l'heure. Ah. Par contre le bouclier, je sais pas. Je pense que c'était à me protéger, mais j'étais pas sûr. Aïe. Oh là 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 là. Bien vu. T'es obligé de me suivre quand même. Viens là-bas, voilà. Ah d'accord, c'est moi qui... Ouais c'est ça, c'est moi qui ai mis mon bouclier. D'accord. Et comment on fait pour l'enlever? Alors là, ça c'est moi. Ok. Non, je peux pas l'enlever, je crois. Je pense que je dois choisir des zones et je pense que je dois avoir un truc par zone. Vous pouvez avoir des boucliers, des herses. Je pense qu'il y a plusieurs objets en vrai. Mais c'est pas mal hein. C'est pas mal les gars. Ah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du jeu. Si c'est cool, si c'est un jeu que vous aimez faire. Parce que c'est pas mal hein. Et puis je répète, hein, vous pouvez le faire aussi en cop. Donc on va ouvrir cette barrière. Salut toi. Bon bah, voilà. Voilà. Et bam. Donc on va redescendre. Et il est où mon ami là? Il est où mon pote à la compote là? Hop. Hop hop. Ok. Là ça va revenir, ça va péter. Donc on va se mettre un bouclier ici. Là. Si j'ai bien compris. Là, voilà. On se le met ici là. Bon la grenade elle est partie toute seule. Comme d'habitude. Mon copain là, je sais pas où qu'il est parti à Auchan. Ah mais non mais en fait je peux pas. Je peux même pas tirer en fait. T'as à quoi ce bouclier là? Vas-y hein. Ah ils peuvent pas venir non plus. Ah mais... Bon par contre ça c'est vrai que c'est... Ça c'est vrai que pour frapper c'est dommage. Parce qu'on peut pas mode spammer. Mais c'est pas grave. Ok. Donc là le deuxième round. Alors j'ai essayé de leur foutre là. Ah non là c'est les Hertz, ok. Et là je peux tirer. Allez venez là les bons petits. Ah, je savais que t'allais passer par là, pourquoi je sais pas. Mais je savais que t'allais passer par là. Ok. Ah mais lui il est encore là lui. Voilà. Faut que je regarde ma barre de vie hein parce que... Donc là ça à mon avis il faut le... Ah on a gagné un truc là. Ok. Et ça du coup faut faire faut l'exploser ou on continue? Ah d'accord là. Aïe. Il passe quoi avec ça? Je vais mourir je crois. Je sais pas pourquoi. Et lui il faut que je fasse quoi ici moi? Ah, d'accord, faut que je fasse quoi? Je mets tous les trucs, je sais même pas ce qu'il faut faire. Bah, on va aller là-bas, hein, parce qu'il nous dit d'aller là-bas déjà. Donc, on prend des munitions. Par contre, je crois qu'on a perdu mon collègue. Hein. Je regarde si on peut pas récupérer des. D'accord, j'ai découvert mon menu, ça y est, au bout de 3 heures. Ok. Parce que j'ai pas une manette facile en fait, c'est pour ça. J'ai une manette un petit peu brute. À mon avis, on va aller checker par là. On va aller là-bas.
Je pense que le deuxième point, c'est pour aller chercher des collègues. Ah oui, forcément. Ah là là, vous loupez un coup là. Oh putain. Wouhou! Oh punaise, non. Pas houhouhou. Oh putain. Ah pourtant, je suis loin là. Hein. On essaie de faire un raid. Et là au niveau des voitures, tu crois que tu vas venir là? Oh putain. Ça serait bien qu'il y a des gens qui viennent m'aider un peu quand même. Si c'est pas trop demandé. J'appuie sur tous les trucs. Hein. Ah là, cette fois-ci, j'ai fait gaffe à ma vie. Mais je crois que là, ça, c'est la fin du monde là. Hein. Là. Après, j'appuie sur tous les trucs de objets, etc. C'est dur là. Ah mais tout ce qu'ils sont là. J'appuie sur tous les trucs. J'ai pas de grenade, j'ai rien du tout. Putain, on fait le même parcours. Et là, c'est chaud là. Oh là là, tu me touches pas. D'accord. Oh putain. Ils sont chauds, je peux pas refermer le truc là. Ok, oh punaise, on leur revient à la musique là. Je vais essayer de les feinter là. Oh, je l'avais pas vu lui. J'ai pas de munitions. Ah mais il est là lui. Oh mon gars, il vient m'aider aussi là. Et là on a une mission là. Voilà, tout le monde crame. J'ai pas de munitions, j'ai rien. C'est pas trop dur là? Ah bah oui, enfin il va m'aider lui hein, au bout de 3 heures. Ça se trouve qu'avec lui là. C'est avec lui il faut aller là-bas, ça se trouve. Ouais, de toute façon c'est sûr. C'est chaud hein. Ah non, toujours pas en fait. Pas trop ce qu'il faut faire avec ça, non? Ouais, je sais pas trop ce qu'il faut faire là par contre. Donc là, je lui dis de venir avec moi. Je peux aller stopper les bonhommes, donc ça c'est cool. Je sais pas si on peut en contrôler plusieurs. Et là, par contre, ici, j'avoue, c'est pas trop ce qu'il faut faire, ouais. Peut-être qu'il faut finir la mission d'avant là. Là il va venir avec moi lui. Oh je vais le déposer. Non par là c'est pas bon. Donc ça va être par là. Voilà. Ouvre la grille. Ça va être là. Et ça va être là. Mais lui il faut faire quoi avec lui? Ah oui, donc là c'est lui qui a... ouais c'est ça. Ok, ah ça c'est con hein. La porte dans la gueule. Allez, viens avec moi toi. Ah c'est ça, lui faut que je l'emmène là-bas aussi je pense. C'est... ça doit être les deux que je dois emmener je pense. Je présume. Ouais c'est ça. Ah oui parce que là le lui il vient avec moi et l'autre la... les deux missions sont là donc c'est bon. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ah c'est pas mal hein. Et là la grille la grille s'ouvre, impeccable, et là on continue, on progresse encore. Oh tu te manges le cul. Ah bah oui il est là. Oh mais oh. En temps de métier j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Ok, donc là faut passer par où là? Ah bah il est là. Ah oui, là l'environnement a un petit peu changé là. Ah d'accord, ok. Établis, utiliser un établi pour... Établis. Oui c'est ça,
Et là, établi, amélioré, ok. On reste appuyé. Ok. Ah, mission accomplie. Mouah, magnifico. Donc, repère des coups. Ouh là là, là. Et vous voyez, plus qu'on progresse, plus qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc là, on peut améliorer l'arme. On a aussi un système de points, apparemment. Mais on va faire. Hop, on va l'améliorer. Oh oui, j'ai amélioré mon dégât, du coup. Donc c'est cool si on peut améliorer la précision, les dégâts, la portée, etc. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc là, je présume qu'on est en mode, je pense, solo. Je peux regarder si dans le menu interface, il y avait d'autres menus. Peut-être regarder. Là, on progresse par ici. Non, c'est fini. On passe par où là? Il y a un hologramme là, non? Si, c'est un hologramme ça. Sur mode désactivé, je pense. Et là, il n'y a que ça. Ah, attends, on va remonter là-haut. Le truc vert, à mon avis, c'est de la kryptonite, là, je sais pas quoi. Non. Qu'est-ce que je perds? Parce que quand je touche là-bas, je touche, je meurs. Ouais, je perds la. Mon truc. Mon. Espèce de bouclier, je sais pas quoi là. En haut. Ouais, là, je perds de la vie là, par contre. Donc là, je me remets de la vie. Oh, je me remets tout là. Voilà, je déglingue tout. D'accord, c'était bien pour savoir que si c'était vraiment. Mauvais ou non. Bah, là, par contre, il n'y a que ça. Hein. Donc je vais où là? Elle est où ma petite flèche jaune là qui me dit ce qu'il faut faire? Elle est où? On peut peut-être aller là. Ok. Non, mais je crois qu'elle. Oula. Oh, ça a pété. Ah, c'est un champ. Ouais, je savais bien que c'était un truc de protection. Là, c'est bon, on continue là. Progresse. Et donc, il y a plusieurs, apparemment, plusieurs environnements. Donc là, on est dans un. De crotte ou je sais pas quoi là. Regardez, on peut appeler les potes. Ça va? Ah là, tu vois, on peut changer de personnage encore. Donc on va tester le rouge. J'ai pas testé le rouge. Voilà, j'ai changé de perso. Il est où l'autre là? Il est bon, le. Pardon. On va continuer. Ah, j'ai une arme là-haut. Je dois être à fond. Donc en fait, je peux pas récupérer. Donc ça, c'est bien quand c'est à fond, comme ça, au moins, c'est. David d'avoir 3 items dans l'inventaire pour rien. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ah, c'est ici. Ah, j'ai récupéré une arme, je peux changer. Alors, vient le menu que j'avais tâché, que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc, à mon avis, ici, je pense que on peut changer d'arme. Je pense ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'arme que j'ai. Et ça, c'est l'arme que je peux changer. Voilà. Et là, normalement, ça change si je change. Ou si ça se trouve, c'est automatique. Ah ouais, tu commences à lancer, tu lances des trucs bien fous et tout, toi. Regardez comment c'est bien dégueulasse. En vrai, l'environnement, il est top. Hein, parce que là, vous avez des ennemis. Et en plus des ennemis, vous avez du toxique. Enfin, des produits toxiques. Et en plus, des flammes, là, ici, là. Donc ça rend un petit peu une difficulté supplémentaire. Oh, désolé hein, si je suis pas prononcé. Hein. En même temps c'est Alvaro. Hein. Quand je dis ça, je dis rien. Hein. Et je panique aussi, il y a des ennemis partout. Non mais c'est. Mais bah, voilà, voilà, il m'a fait un catch attack, j'ai dormi direct. Et dodo. Regardez le kit de soins là. C'est ça que j'ai eu. C'est bien, hein. Franchement, les gars, pas mal. Les développeurs incroyables de faire des jeux comme ça, c'est ça change un peu des autres jeux en vrai, hein, tout simplement. Même si c'est pas non plus un GTA quoi, ou un autre jeu quoi, mais c'est pas mal, ça change. Franchement, bravo, bravo aux développeurs, franchement. Ah, je sais où on est! On est dans dans la grotte des tortues ninja. Ah ouais, regardez, les trucs verts et tout, c'est le truc des tortues ninja, ça. Oh, vas-y, tire, tire! J'ai plus de mission, moi. Oh là là, vas-y, 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 tire, 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 mon gars, tire!
Vas-y, moi je leur donne des coups dans la gueule. Aïe. Si je me fais pas tuer avant, bien sûr. Je crois que j'ai 50 000 vies, mais bon. Non. Faut pas que je descende là. Il faut que je récupère ma balise là. Attends, Pikachu, reste là. Voilà, bouge plus. Voilà, j'ai compris ça, t'as vu. Hop, tu restes là. Comme ça, tu sécurises la zone, à peu près. Attends, j'ai vu une balise, moi. Ah oui, elle est là. En théorie, elle doit être là. Voilà. C'est ça que je veux récupérer. Oh oui, 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 oui. J'ai récupéré des trucs de ouf. Voilà. Oh, punaise. Non, finalement, tu peux les attaquer, hein. Je sais pas si tu m'entends. Avec tout ce bordel. C'est bon. Eh bien, t'as géré. Ah bah merde. Oui, oui, c'est bon, t'as géré. C'est vrai qu'il était plus dans ce monde. Eh bien, copain, on est parti. On part par où déjà? C'est-à-dire par là, je crois. Oh punaise, j'ai oublié qu'il y avait la flamme. On remonte là-haut et on repart dans le trou. De la grotte, bien évidemment. Aïe! Y'a pas un antidote de ça là? Comme ça, on est immunisé direct. Bon, fais gaffe, y'a un ennemi là-haut là. Ah! Influence alien. Oh putain, ah, c'est bien ça! C'est-à-dire que maintenant, on va savoir l'intensité des aliens qu'il y a sur la zone. Avant, on le savait pas. Comme tout à l'heure où je me suis fait raid. Hein? Il y avait 50 000 aliens! Et là, au moins, maintenant, on le sait. Ça, c'est cool. Ça, c'est vachement cool. Merci, mon petit... Ah, tu peux venir avec moi? En fait, depuis tout à l'heure, ça se trouve, je pouvais prendre des ennemis. Vas-y. Ah non, bah viens avec moi. Voilà. Et qu'en fait, depuis tout à l'heure, on le faisait pas. C'est juste ça. Voilà. Pas de nid. C'est comme les moustiques. Par contre, la densité, elle est où? Voilà, voilà, les gars, allez-y. Le problème, c'est quand je me barre, en fait, bah, ils se barrent en même temps, hein, ça me paraît logique, hein, ils ont peur comme moi. Hein. Ah, par contre, lui, il est bien, lui. Ah ouais, mais par contre, tu nous fous dans la merde, mon petit, là. Nous mets des toxiques partout. Non, je t'en arme. Fulé, va. Pardon. Je suis un peu embrouillé. Bah, est-ce qu'on peut passer là? Ah, c'est bon. Ah, j'allais dire, il est avec nous et... Attends, t'énerve pas. Attends, vous, toi tu restes là, tu sauves la zone, toi tu viens avec moi. Mais, pourquoi tu me tapes? Allez, fais-moi. Alors, on va remettre un peu de puissance là, voilà. Voilà. Oh oui, nouvelle arme, oh oui. On va la tester après. Oh oui, bah c'est mieux ça. Voilà, on nique tout. Attends, je repère juste cette arme. C'est juste une technique, regarde, hop. Tu vois, je vais tirer que de cette arme. Voilà, en espérant que je pourrai la changer après. Je sais pas si on a avoir les trucs. Voilà, c'est perfecto. Moi, linta linto. Je change mon arme en même temps. Comme ça. Ah oui, d'accord. Oh putain, maintenant, regardez, il y a des barres et tout. Ah, mais lui, il est mort, lui. Hein. Bah, en fait, il est un peu suicidé, quoi. Hein. Il était dans une zone électrique. Hein. Oui, faut pas écouter Alvaro. Faut pas. Hein, c'est dangereux si tu restes avec Alvaro. C'est fini, c'est fini. Ah, on va y aller. Attends. Ouais, bah, mec, ton cul. Là, tu vas mourir, mon gars. Oh putain, c'est la guerre. C'est la guerre. Niveau supérieur en plus. Niveau supérieur, les gars! C'est la guerre atomique, c'est la guerre atomique. On récupère tout. C'est bon, c'est bon. Attends, reste là, sur cette zone, toi. Est-ce que je sais pas c'est qui nous attaque, là? Les aliens se renforcent, les gars. Ah, merci. Bouge plus. Quand je te dirai go, bah c'est go, hein. T'es prêt? Attention. Go! Cours! Mais cours! Ah bah non, je l'ai pas fait partir, je crois. Ah, bouge pas. J'ai oublié de t'activer. Voilà. À mon avis, tu peux y aller. Allez, go! Go, 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 mais pas 3 heures! C'est bon. Ah, y'a ça. C'est cool, ça. Alors là, on va aller où, là, après, maintenant? Ok, allez. Cours, cours, cours! Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Non, franchement, c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais je crois que quand on tire dessus... Non, c'est bon. Oula, oula, c'est quoi ça? Oh putain, il est vénère lui! Ah ouais, il est chaud là, on a tué tous ses œufs, il est chaud là. Oula, un gladiateur! Sous sa brille, oh putain. Oui, bon, bah on revient! Hein, oh putain, ça c'est bien ça. Ça c'est bien aussi ça. Allez, dans ta gueule! Dans ta gueule! Oh là, il bouclait! Dans ta gueule! Allez, vas-y, tue-le! Vas-y! Allez, vas-y à toi! J'y vais. Il fait quoi, des crêpes? Oh putain, il est vénère.
Il est vénère. Allez, on donne tout, on donne tout, on donne tout, on donne tout. Oh, je l'ai mis une petite barre, j'ai mis une petite barre. Je peux pas te guérir, mon frère. Non, t'es mort, toi. Hein, on peut pas te guérir. Oh, bah c'est bon, on l'a niqué. Mais on peut pas te guérir, c'est dommage, ça, par contre. Ah, si. Non. Ah, si, c'est bon. C'est bon. Ah, putain, ça, c'est trop bien, ça. Ah, c'est trop bien qu'on peut guérir, ça, c'est cool. Bah oui, mon pote. Je m'en fais un petit peu aussi. Oui, en fait, depuis tout à l'heure, attendre, c'est que le gars, il doit attendre, là. En fait, vous appuyez une fois, il attend. Il reste sur la zone, et en fait, il sécurise cette zone. Après, vous rappuyez dessus, et du coup, il vous suit, vous avez une petite flèche bleue qui vous dit qui vous suit. Donc là, encore pareil, hein, vous pouvez appeler vos potes, là. Regardez, il y a ça encore derrière. Donc là, ce qui serait cool, c'est de sauvegarder. Est-ce que recommence à chaque fois que le boss, là... Bon après c'est simple, bon pourquoi on peut pas entrer? Ah oui c'est là. Ah, je peux pas prendre parce que je dois avoir trop d'armes je pense sur moi. Ok, donc là. Et là, à partir d'un moment on a plus le truc jaune, le truc jaune. Je pense hein, je sais pas. Selon peut-être l'évolution des niveaux. Alors, on va essayer de repartir par là. Bon, là je vous fais un gameplay hein, pour vous montrer un peu le jeu et tout hein. Au moins comme ça, vous savez en quoi vous embarquez. Franchement, c'est rentable de ouf. Aïe ! Comme ça, j'oublie de partir. Alors non, c'est pas par là. Où je pars par où, moi ? Là. Ok, je continue par là, je pense. Non, là, on vient de là, je crois. Hein. On vient d'ici. Je crois qu'il faut continuer. Hein. Alors, je sais pas si on a accès. Je sais pas si on a accès à la map. Non. Ah, je crois que je peux récupérer mon truc là. J'appuie sur le bouton, non? Non, je peux pas. Ouais, à chaque fois qu'il l'a envoyé, le truc. Hein. Merde, par contre, je crois que j'ai envoyé une grenade ou j'en sais rien. Ça m'étonnerait qu'il faut reculer. Oh putain. Je savais bien que c'était une mine, hein. Je savais bien que c'était une mine. Tout ça pour nous miner la gueule, hein. Non, je pense qu'il faut passer par là. Passer par là. Et normalement, je dirais bien aller sur l'autre côté. Dans cette zone-là. Ah bah non, pas. Ouais forcément. Ah ouais, tu perds beaucoup de vie en plus hein. D'accord, là par contre je vois pas. Hein. Attends. Non, là c'est ça, ok. Alors dépêche-toi. Hop. Lui va rester en plein milieu, tu vois. Mais oh, reviens là. Voilà, il va mourir ce con. Bon sang de bonsoir. C'est pas toute sa tête celui-là aussi, c'est pour ça. Ah bah oui, là faut passer par là. Et ouais, normalement c'est bah là, je dirais là au moins. Dommage que je... Il faut faire quoi là peut-être? Ah bah voilà, c'était tout con en fait. C'était tout bête! Pourquoi chercher simple quand on peut faire compliqué? Allez, on va se faire un... Voilà, hop, petit coup de couteau. Vas-y frère, vas-y! Voilà, vas-y! Oh putain. Ah mais dis pas qu'il est encore mort lui. Oh putain. Oh putain. Oh le raid encore là. Oh putain, je ferai ramener tout le monde. Mais je peux pas, j'ai pas de grenade à chaque fois. Ah si. Ah. Merde. Oh putain mais... Oh putain, regardez ce qu'il y a juste là là. Allez, cours, 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 cours. Esquive, 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 esquive. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, si je m'en sors là, je fais des crêpes, hein. Oh, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Oh, c'est la fin des haricots. Faut que je revienne en arrière. Oh, pilote, il nous suit, on est foutu là.
Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il faut que je passe par là. Ah, je peux pas. Hein, et l'autre, il est mort. Oh, j'ai de la vie, là. Non. T'as cul sac. Oh, merde, c'est... Attends, je crois que c'était un carton, je sais pas quoi, là. Oh non, je vais mourir, c'est la fin. Bon, bah voilà. On va se quitter, malheureusement, sur cette défaite. Ils ont gagné, les terriens. Les aliens. De toute façon, ils gagnent toujours, c'est fucking aliens. Donc du coup, voilà le jeu From Space. Voilà, disponible demain, le 3 novembre, sur Steam. Voilà, c'est une valeur de 15 euros. Vous pouvez le retrouver directement sur Steam. Donc voilà, je rappelle, c'est développé par Triangle Studio, édité par Curve Games. C'était un jeu solo, mais également en mode coop. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette petite partie qui était juste magnifique. Voilà, je voulais vous découvrir ce jeu. Pour la première fois, je pouvais tester un jeu à l'avance. Et ça, c'est juste incroyable. Merci les développeurs. Parce que c'est un jeu que je trouve génial. C'est un petit peu... C'est innovant aussi. Et les décors sont juste magnifiques. Et du coup, je vais le noter avant de partir, bien évidemment. Alors, je trouve que le gameplay, je trouve qu'il est bien simple. Simple du sens où on peut contrôler clavier-souris. On peut aussi l'utiliser avec, du coup, une manette. Donc déjà, je trouve que c'est génial. Donc, je mettrai 18 sur 20. Pour tout ce qui est gameplay, et même dans le jeu, c'est voilà, on peut bouger à droite, à gauche, c'est maniable, c'est simple, c'est facile. Donc du coup, voilà, tout ce qui est côté visuel, donc les menus, etc. Hormis, c'est vrai que les écritures sont un petit peu petits, mais ça c'est normal, parce que les gens, voilà, moi je vois pas très clair, on va dire. Mais je mettrai quand même un 17 sur 20. Bien sûr, c'est que des notes que moi, personnellement, je donne. Ça, c'est rien, faut pas en tenir compte de mes notations, c'est juste moi personnellement que voilà, je mets des notes. Vous pouvez vous focus sur Steam, si vous voulez des avis, ou même sur les youtubeurs qui ont déjà aussi mis des vidéos, que ce soit des français et des anglais. Si vous voulez vraiment avoir des avis plus que très positifs, on va dire, sur le jeu, en tout cas. Moi j'ai donné mon avis, c'est un très bon jeu, et j'aime bien, et donc je ferai peut-être sûrement des gameplays également sur peut-être la chaîne Twitch. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser à la prochaine pour de nouvelles aventures sur du gameplay sur la chaîne Alvaro Style. Ciao tout le monde.